Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo pour découvrir le sexe de bébé. Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Mélinda! Avec mon bébé! Avec mon mari! C'est Catherine avec un K. J'espère que vous allez bien dans les Caraïbes! Alors, j'ai devant moi, sur mon téléphone, des indications de trucs de grand-mère pour découvrir le sexe de bébé. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, selon le calendrier chinois, j'attendrai une fille. On dit que quand le cœur de bébé bat à plus de 140, c'est une fille, et à moins de 140, c'est un garçon. Et le cœur de bébé bat à 137, la plupart du temps 136, 137, donc ce serait un garçon! Selon les cravings de la mère, si c'est salé, c'est un garçon, et si c'est sucré, c'est une fille. Moi, je pense que les légumes, ça va plus vers le salé, donc ce serait encore un point pour garçon! Si la mère a des nausées, on dit que c'est une fille, et si elle n'en a pas, c'est un garçon, et j'ai encore des nausées, donc ce serait une fille! Ah, selon si papa fait une grossesse sympathique ou non, et je vous dirais que mon mari semble pour la première fois faire une grossesse sympathique. Certaines fois, il se sent pas bien, il a l'air de ressentir des symptômes de femme enceinte, et il a plus faim aussi, donc il mange plus. Alors, je dirais que papa a une grossesse sympathique. S'il y en a une, c'est une fille, et s'il n'y en a pas, c'est un garçon. Alors, je vais dire que ce serait encore un point pour une fille. Selon les sentiments de la mère, si la mère est très contente, c'est un garçon. Si la mère se sent un peu moche, ce serait une fille. Alors, je dirais avec garçon. Pour là. Les problèmes de peau, si la mère a des boutons qui apparaissent et des rougeurs, on dit que ce serait une fille. Ça, c'est genre une théorie que les grand-mères disaient que comme elle veut tant les dire pour qu'elle soit plus belle quand elle naît, là, ils disaient ça. Je trouve ça vraiment drôle. Donc, oui, j'ai des boutons, puis je fais jamais ça, des boutons dans la vie, là. Fait que là, j'ai des boutons dans la tête, sur la tête et sur le dos. Alors, je dirais que ce serait un point pour une fille. Pour les maux de tête, si t'as des maux de tête, ça dit ce serait un garçon. Si t'en as pas une fille, j'en ai un point pour un garçon. La façon que tu portes l'enfant, si c'est le bébé. Donc, si c'est vers le haut du ventre, ils disent une fille, et vers le bas, c'est un garçon. Moi, je le porte complètement dans le bas, ici. Alors, ce serait un autre point pour un garçon. Les rêves, j'en ai pas encore fait. D'habitude, j'en fais toujours dans le deuxième trimestre. Mais là, je sais déjà, fait que ça va pas me donner d'indication, mais c'est vrai que habituellement, les rêves ont toujours eu raison. Mais j'en ai pas encore fait. L'intuition de la mère. Moi, j'ai eu l'intuition dès le début que c'était une fille, et j'ai dit « elle ». Dans les premières semaines, je disais « elle » quand je parlais du bébé, puis là, j'étais comme « mais quel doigt, tu le sais pas ». Fait que je dirais que j'ai eu l'impression que c'était une fille, mais mon impression a diminué et voire arrêté dans le dernier mois. Je n'ai plus d'intuition. Fait que je dirais quand même « fille » parce que j'ai eu ça au début. Fait qu'on donnerait un point à « fille ». Mon âge actuel plus le mois de la conception. Donc moi, j'ai 28 ans, ça s'est fait un mois 12. Si c'est impair, on dit que c'est une fille. Et si c'est pair, on dit que c'est un garçon. Moi, ça donne 40, donc ça serait un point pour un garçon. Le côté sur lequel la mère s'endort, on dit que c'est un garçon si je m'endors du côté gauche. Et une fille si je m'endors du côté droit et je m'endors du côté gauche. Mais dans la vie de tous les jours, je m'endors pas mal tout le temps du côté gauche. Fait on va quand même donner le point au garçon, mais ça change rien à ma vie en ce moment. La grosseur de mes pieds, hein, j'avais jamais vu ça. La grosseur des pieds, si elle reste la même, on dit que c'est une fille. Si elle a augmenté, on dit que c'est un garçon. Mais mes pieds n'ont pas augmenté pendant tout là. J'ai pas eu à changer mes bottes, mes souliers, mes bas. Fait que je dirais un point pour fille, ça n'a pas changé. Ok. Ah, la température. Si la mère a toujours chaud, on dit que c'est une fille. Si la mère a froid, on dit que c'est un garçon. Un point pour un garçon. Ah, encore une affaire, c'est les pieds. Si les pieds sont froids, on dit que c'est un garçon. Et si les pieds sont normaux,
ou chaud, on dit que c'est une fille. Moi, j'ai pas remarqué de différence. J'ai rarement froid aux pieds, alors je vais donner un point aux filles. Il reste le test de la pendule. Qu'est-ce que la pendule va dire? Alors, j'ai ma pendule ici. Si ça tourne, c'est une fille. Et si ça fait une ligne, c'est un garçon. Ça m'étonnerait que vous voyez très très bien. Mais on va le faire pareil. On va me mettre un peu. Oui. Il faut le frotter 3 fois. Et on attend. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi, c'est très très clair. C'est en ligne et ça ne fait pas du tout un cirque. Donc, ça serait un garçon. Je l'ai soufflé. Mais sauf à rien. Je suis juste allée chercher ça puis je l'ai soufflé. Oh! La dernière chose à vérifier, c'est la façon que le ventre est fait. On dit que si c'est un ventre qui est bien, bien, bien rond et un peu haut, c'est une fille. Et si c'est un ventre plus vers le bas, ce serait un garçon. Ça, c'est mon ventre. Moi, j'ai l'impression que ça va vers le bas. Je trouve pas que c'est rond, rond, rond. Comme ça, je trouve que c'est rond. Par en bas. Moi, je dirais que ce serait... Cette indication me dirait un garçon, mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est encore pas une si grosse bédaine, ça dépend des jours. Des fois, elle est plus grosse que d'autres jours. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, voici le pointage. Garçon. VS fille. Maintenant, nous allons aller voir la réponse. Oui! Ok, quand vous êtes prêts, 1, 2, 3, go! Ah, faut le faire plus fort! Refaites-le, refaites-le! Les boys gardent le suspense! C'est un garçon! Et on a déjà choisi le prénom, ce sera un petit Léon! C'est tellement beau! Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. À la revoyure!